pas bon du tout. Accroche-toi! Ils nous rattrapent. Oui, je sais, je sais. Ils peuvent aller, gaz. Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. On est vraiment pas ici. Continuez vers l'île. Baissez vers l'avenir. Ils ont des plus petits bateaux. Fonce dedans. Compris. Nathan. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre.
Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam ? Ouais, je te vois. On grimpe et on fait le tour. Wow ! Trop glissant. Oula. N'est-ce pas justement notre devoir d'aider les garçons comme lui? Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Faut que j'atteigne cette fenêtre. Allez. Allez, reste pas là. Très loin. Sam ? Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors?
Qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Joli saut. Allez, allez. Dis donc, léger. Les sœurs te donnent pas à manger ou quoi? Y a personne là-dedans. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir coupable. Par là. Bon, je suis très loin. C'était fastoche. Tu l'as pas bloqué? Si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Regarde ça. Waouh. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant? Une ou deux fois. Allez, viens. À ton tour. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Je bosse, principalement. Tu sors toujours avec cette fille? Qui ça? Ah, Crystal. Bon, ouais, ça va servir. En ce moment, c'est pas le top. Allez, Nathan! Il suffit de pas y penser! Tu vas y arriver! Je te tiens! Tu vois? C'est pas compliqué! Tu m'étonnes. Les doigts dans le nez. Reste avec moi. Ça t'a plu, hein? Ouais, carrément. Hé, hey, par là. Juste derrière toi. Attention, va falloir sauter. Ok. C'est parti. On se met au milieu. Et on y va tout. C'est péché? Je crois bien que c'est péché. Tu sors vachement bien! Prêt, Tarzan? Ouais. Vas-y, passe devant. Allez, vas-y, grimpe au clocher. Je peux pas sauter d'aussi haut. Ok, dans ce cas, t'as qu'à faire le tour. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal.
déjà monté ici avant? Sur ce toit en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Allez, tu restes ici et tu me regardes. C'est ton tour. Ok, ça va aller. Ça va aller, Nate. Allez, vas-y, lance-toi. Faut pas trop réfléchir. Oh, merde ! Je te tiens ! Allez ! Allez ! J'ai réussi ? Ouais. Les doigts dans le nez. Bien, suis-moi. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. T'assures, Nathan? Ok, c'est parti. Oh! Ok. Ok. Après toi. On descend maintenant. Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves? Hein? Wow. T'as une 250? Une 250? Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, hey, c'est pas très sympa, ça. Ben, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, deux quand ou tu sortiras... trois ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hé, hey, on n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? T'es prêt, champion? Carrément. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Va a falloir faire mieux si tu veux te débarrasser de toi. Acabemos con este. Je t'attends. Ah!
chingada, ¿eh? Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Te gusta esto? ¿Eh? Esto va a ser divertido. ¡No vuelve ahí! ¡Gustavo! ¡Mata este gringo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Vuelve! ¿Qué tal esto? Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¡Agárrenmelo! ¡Escoba, agua! ¡Lucha como un hombre! ¡Tira bien, Chaché! ¡Toma esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Ja! ¡Estás muerto! ¡Vuelve ahí! Esto es por meterte con nosotros. ¡Rómpele la cara! Ahora sí, pendejo. ¡Puedes hacerlo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Rebota ese gringo, amigo! ¡Dale! ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Acábate! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! ¡Idiotas! ¡Mátenme! ¿No eres pas en train de se battre? Hein? Pas vrai, l'avorton? Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, fais-moi signe! Quand t'atteindras les pédales de la voiture! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Allez, quoi. Combien de temps je vais devoir croupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias.